Un vieux golf, bientôt 60 ans en fait, avec une végétation intéressante en bordure d'Angers. Grosso modo, une heure de Nantes, grosso modo, une heure du Mans. 55 hectares, 560 membres. Golf associatif et on y tient beaucoup. On mêle la convivialité et le sportif en fait, puisqu'on a quand même quelques équipes à haut niveau. Practice couvert, 5 postes, 10 practices découvertes. Pour nous, le trou signature, c'est clairement le 11, notamment si on joue des blancs et notamment si le vent est contre. Si le vent vient de la Loire, en fait, au 11, en général, on pose une balle devant, on n'essaye pas. Tous les vieux bâtiments en fait plutôt 17-18e a priori en fait, comme le château. Que 3 par 5, mais c'est même pas la peine de vouloir les attaquer en fait pour la plupart. C'est pas parce qu'on est à par 70 qu'on fait pas plus de 100. Les dolmens de derrière en fait faisaient partie des champs de l'époque avant la création du golf, donc avant 1962-63. Zone de shipping, zone de putting. 2023, année d'investissement comme 2022 et comme 2021. On refait au fur et à mesure tout ce qui nous tient à cœur, que ce soit les départs ou les greens. Et plus récemment, les vestiaires dans le vieux moulin ont été totalement refaits. Restauration toute l'année, sauf le lundi. De quoi se réconforter après le sang dont j'ai parlé tout à l'heure.